Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, je vais vous montrer un nid de frelons asiatiques bien placé dans une haie très très dangereuse. Allez, je vais vous montrer ça. Donc le jardin, avec la piscine à côté, et le nid est placé, je sais pas si vous allez le voir, juste là. Alors, un peu plus gros qu'un ballon de basket. Allez, je vais m'habiller et je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, attention à vous, hein. Vous rentrez par l'autre côté ? Vous nettoyez la vitre pour voir ? Bon, vous voyez ? Effectivement. Alors, je risque rien, moi. Allez, c'est parti. Allez, on va montrer ça de plus près. Allez, moi aussi. Ils vont essayer de nous suivre un peu, donc il faut faire très attention avant d'enlever la combinaison. Bon, ils ont sali toute la GoPro. Ah, j'en entends sur ma tête. Mes antennes. Alors, il est où? Il veut pas me lâcher celui-là. Toujours faire attention avant d'enlever la combinaison. Heureusement que les Idealux font des tenues blanches, c'est un des avantages pour voir si on a un frelon sur nous par rapport aux autres tenues qui peuvent être bleu foncé. Bon, voilà, l'intervention est terminée. Petit bilan. Donc le petit bilan, c'est que ça reste très dangereux. Vous avez vu l'attaque. Bon, on a vu que quand même j'ai fait un petit trou dans le nid pour les énerver un petit peu, mais tout ça s'est fait esprit parce que j'ai vu, vous avez dû le voir dans la vidéo, que le client regardait par la fenêtre. Donc ça permet aussi de montrer aux gens que vous avez des va-et-vient de frelons dans une haie, il ne faut pas laisser faire. On ne sait jamais, un enfant ou quelqu'un joue avec un ballon, il l'envoie dessus, sur le nid, ben, il y a une attaque, hein, automatique. Hein. Donc ça permet de montrer ça au client, de le montrer en vidéo. Dès qu'il y a un nid de frelons dans une haie, ne touchez pas. Dès que vous voyez un va-et-vient, méfiez-vous. Si vous devez couper la haie, faites attention. Prenez un long bâton de 2 mètres comme ça et vous passez assez rapidement, vous frottez assez rapidement sur la haie en courant et vous attendez quelques secondes. Si vous voyez des frelons sortir d'un endroit, c'est qu'il y a un nid. Voilà.
faites ça. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit direct où c'était un gars de l'espace vert qui s'est fait piquer 15 fois en taillant la haie. Donc il n'a pas vérifié avant, il est tombé sur le nid, s'est rapproché et il s'est fait attaquer. Donc voilà, ça reste très important. Les attaques de frelons, c'est très dangereux. Il y a une vingtaine de morts par an. Donc quand même, il faut faire vraiment attention. Bon, ben on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse toujours. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés.